Rebonjour. Vous êtes prêts? Allez, re-salut et bienvenue pour cette troisième partie de la demi-finale de la WV. Yes. Are you ready? Donc, la belle se joue sur région d'Eindhoven. Victor et Starco se retrouvent alliés. Hachi et Cracker se retrouvent axes. Victor a choisi de jouer les Russes, Starco jouera les Américains, Hachi OKW et Crackers les Austers. Crackers qui a pris un triple bulletin Panzer Grenadier. Annonce de couleur. Donc, Plus de Shrek. plus de Shrek, exactement. Alors, Starco nous a présélectionné au niveau des Ricains. Appui de reconnaissance avec les éclaireurs, le parachutage du 57 mm M1, le Greyhound et les petites mines papillons. Ouais, celui-là, le d'appui reconnaissance qui a pas trop fait ses preuves à la première game, mais bon, Eh pourquoi ben, pas. il re-signe, Il il est a repris parti, d'ailleurs. il Il re-signe pour re-signe. Victor Reznov qui est parti pour qui a présélectionné tactique de front pour fusée de choc, KV-8, troupe de choc, IS-2. Du lourd. Armée soviétique force combinée avec les gardes, la ROKO et le ML-20, ou bien l'armée de choc soviétique avec troupe de choc, mortier de 120, PPSH pour les recrues, ML-20 ou IL-2, Sturmovik. Et donc du côté axe, donc on a Cracker et Hachi, donc qui ont pas fait de doublette, ils sont partis chacun sur leur faction. Donc Cracker qui est parti vers Marthe et Hachi au KW. Cracker donc qui a pris présélectionné trois commandants, donc le commandant en troupe d'élite avec le Tigre de l'As, les sections d'assaut, les fumigènes et l'infanterie Jäger, les grenades aveuglantes. Le fer de lance, ah tiens, les fameux half-track mortiers qui peuvent être bien casse-pieds avec les fumigènes, le vol de RCO, les bombes à fragmentation et bien sûr le char tigre. Et on avait le troisième commandant, donc la guerre éclair avec toujours l'infanterie Jäger, le déplacement tactique, la relève d'infanterie, que je n'ai jamais compris comment ça marchait ce truc d'ailleurs, il faudra qu'un jour quelqu'un m'explique. La stratégie d'appui aérien rapproché et bien sûr le tigre. Et du côté Hachi, donc en OKW, on a le Feuersturm, pour tout ce qui est feu, pour plus de chaleur. Les forces terrestres de la Luftwaffe, donc les Fallschirmjäger, la ROKO, l'assaut courageux, l'attaque aéroportée. Et le dernier commandant, donc le Panther de commandement, avec les fusées éclairantes et les STG-44 infrarouges. Yes, il y a eu un petit fourberie qui a été tenté côté Hachi à droite avec les Sturm pendant qu'on écrivait les commandants, là. Mais Victor a tenu, tu nous rends dans ses bottes, les deux Sturm sont rentrés à la maison. Et double Sturm à côté Hachi, c'était un peu tendancieux. Cracker, ça sortit un sniper. Étonnant, Ouais, il va côté. refaire rager Il se les retrouve. alliés de nous. Et donc la compétence que tu disais, la relève d'infanterie, quand tu sens que tu vas avoir un gros fight et que tu vas perdre des modèles, quand tu as beaucoup d'armées qui vont un truc, tu l'actives, ça dure, je sais pas, 50 secondes, je crois. Et tu vas accumuler des pertes, tu continues ton fight, et en fonction des pertes, plus t'as de pertes, ça va te faire venir hors map, ça va te faire venir des sections de Struppen. D'accord, donc alors c'est des modèles que tu perds ou c'est les unités que tu perds? Alors, des modèles suffisent, t'es pas obligé de te faire wipe tes squads. D'accord, donc si tu perds 5 modèles, t'as une unité de 5 Ostruppen qui Alors, arrive, enfin 5 ou 6, je sais plus combien. je sais plus à combien ça part. Je sais plus combien il faut. Double snipe, ouais, de la part de Ouais, j'ai vu Crackers. ça. Les doubles MG aussi, enfin la deuxième qui est en train de sortir. Victor qui nous refait le coup de la double Maxime. Et ouais, Starco qui est parti, donc le même commandant que la toute première game, là, donc il a les fameux éclaireurs là, qui peuvent se mettre en fufu. Et je pense que sur cette map, il y a plus de possibilités d'embuscade pour ces snipers. Hein. Et s'il a retenu la leçon, ils vont peut-être faire des caches de munis pour essayer de bombarder un peu plus. Ou au moins essayer d'avoir les munis. Les alliés qui ont les deux munis, ce début de partie.
les alliés qui sont en double munition là, c'est plutôt pas mal pour le début, ça fait du bien. Ils sont à plus 58 quand la Wehrmacht n'est qu'à plus 20. Cette recrue qui a eu chaud aux fesses. Ouais, double Maxime côté Victor. Ouais, si t'arrives bien à les écarter et qu'elles se couvrent l'une l'autre, c'est très efficace. Ah, Sniper qui commence à taper la Maxi. Starco qui est parti lieutenant. Et un Greyhound qui est en construction. Il y a eu un petit barrage d'artillerie ciblé là de la part des éclaireurs là qui a fait tomber l'AMG. J'ai l'impression que ce barrage est très précis hein, quand même. Ça fait deux fois que je le vois là et franchement. Après c'est 142 munis. Hein. Qu'ils ont quand même. Ouais. Ils ont pu en profiter là parce qu'ils avaient une économie insolente de munis. Ah bah ouais, c'est sûr. Hein. Attention les éclaireurs là qui arrivent dans le bac là des snipers là. Snipers qui sont droits dans leurs bottes là. Ouais, il reste plus qu'un modèle. Ouais. Et là sur le bac. Ouais. Garde le sang-froid. Pas mal de la part de Kraken. Et donc pourquoi lieutenant? Pour la M20. Double M20 qui est lancée. Je pense qu'on va aller. On le voit pas beaucoup. Et je suis curieux de voir comment il va. Je pense qu'il va foncer sur les snipers. Ne rien réfléchir à d'autres. Jusqu'à la base. Pas, ça fait de la reconnaissance en même temps ou pas ce petit truc? Ouais, ça peut poser des mines, ça peut poser un équivalent Teller là. Ouais, mais est-ce que ça dévoile les snipers qui sont planqués un peu mieux que les unités classiques? Je sais pas si ça. Comme la 2-2-2 par exemple, ou, on va vite le savoir. Attention. Pou, 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 pou. Alors la M20. Ah, il va les raccompagner, hein. Je pense que là. Ouais. Il va leur montrer. Le prix que ça coûte, c'est bon. Allez. Allez, fonce sur le deuxième. Un sniper qui est tombé. Oh, il va aller dans la base. Il va aller chercher la base. Moi, je serais allé. Hein. Ouais, ouais. Pour le prix que ça coûte, franchement. Premier sniper qui est tombé. Il va revenir pour Arras. Cette EMG. Voilà, qui est réduit à l'état d'épave. Début de game plutôt costaud. Ouais. Que la réponse de Crackers, une 2-2-2. Qui peut rivaliser avec la M20. Hein. Mais ouais, comme dit Petit Teuteux, il a pas de fausse dans son armée là. Il a ses Panzer Grenadiers qui pourraient équiper Shrek. Il a annulé le deuxième M20. Ouais. Ou alors il est perdu. Non, il l'a annulé. Attention, hein. Chasse du deuxième sniper. La 2-2-2 qui va défendre, le sniper est tombé. Ouais. Bon. Allez, il est rapide le M20. Mais bon, le canon va peut-être avoir raison. Fumi peut-être? Oui! Est-ce que ça va être assez? Ça a l'air en plus. Ah, plus de couple, plus de vitesse, plus de. Marche avant aussi, hein. Ça aide pas la marche arrière du 2-2. Ah, le 2-2-2 qui a un projet, hein. Non, si, oui, il s'arrête. Ouais, double snipe qui a été puni. Hein. Ouais, je pense qu'il a tellement souffert à la partie précédente, enfin, la première partie plutôt. On a un Luch côté Hachi. Il y a le T3 russe qui est en quasi. En attendant, l'axe à la map. Hein. Et puis bon, ce 2-2-2. Est-ce qu'ils ont les grenades anti-char? Les conscrits n'ont pas. Crackers qui ressort un sniper. Ah, le P2 là qui prend des obus dans les fesses.
Et donc il en a fait deux, hein, qu'il a refait un, finalement. Ah non, c'est celui appelé hors map, ok. Le Greyhound plus l'AM20 qui traque la 222. Mais bon, ça n'a pas la même puissance de feu. C'est dommage s'il le perd pour ça. Canon détruit. Ouais. Par contre, l'autre va peut-être le... Non. Petit moment d'accalmie. Alors, pendant ce temps, l'Axe a repris les deux munitions. Crackers a choisi son commandant. Ce sera le Tigre de l'Axe, section d'élite, grenade flash, Gaver 43 et fumigène. Et Victor également, il a pris donc armée de choc soviétique avec bien sûr les HM38, les troupes de choc, les PPSH pour les recrues. Et le ML20 et puis le mitraillage des YEL2 qui peut être très efficace sur les paquets d'infos. Du coup, au niveau des points. Les Axes ont pris un petit avantage là du fait d'avoir eu ce contrôle map pendant un moment. Mais c'est en train. La map est en train de se rééquilibrer. Ils sont en train de se piquer chacun leur fuel de chaque côté, respectivement. Il est en train d'avancer son camion là, qui va essayer de mettre un T3 peut-être. Ouais. Protéger le cutoff. Merci pour le follow. Hop, on a le Zis là qui tire sur ce. P2, obligé de back. Il y a eu un wipe sur un back, j'ai pas bien vu. Ou alors c'est le T70 qui a fait le café à droite là. Attention à la 222, la qui est low life. Il va aller la chasser. Le sniper, le snipe. Est-ce qu'il a spoté le T3? Ah, il l'a vu. Qui repasse à la droite, attention sur ton Greyhound, il y a un Rakéten et un P2. Le T3 qui est EP tout de suite. Le Greyhound qui tombe. Et sniper pour Crackers. Double, toujours la doublette. Par contre, ça ferait du bien un petit coup de pharma là. En plus, il a pas de. Il a pas de bunker. Il a pas de grenadier pour les soigner. Ah, tu vois, le bombardement de comment on appelle ça là, les petites bombes aéroportées là, ça fait le. J'ai pas vu où il les a lancés. L'étoile de droite là. Il a fait un wipe avec. Ouais, elles arrivent vite. Hein. Ah ouais, non, c'est radical. Hein. Elles sont dures à esquiver. Attention à la mine là. C'est une. Restez pas dessus. Ouais. Mais attire-le à la limite. Et T70 sur la droite. Pas de risque de Faust. Bataille de grenades là sur la gauche là. Je vois ça, ouais. Ouais. Les troupes de choc, là faut partir par contre. Ouais, hein, faut, casser, hein. Faut se casser vite parce que. Ils visent bien les deux mecs en face là. Bon, sauf celui-là qui est tiré dans la terre là. Ouais, heureusement qu'il y a le bonus de couverture sur le. Ouais, Hachi qui a choisi son commandant, donc ce sera Panthère de Co, je sais pas si on l'avait vu, et du coup qui a équipé ses Obersonalten avec les STG infrarouges là.
sont, ma foi, fort agréables à jouer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui est en construction là-dedans? Ok, un Obersoldaten qui est reparti donc pour Hachi. Ouais, Crackers qui se fait une pharma. On va avoir besoin pour soigner son armée de snipers. Côté Starco, on a le Major qui est de sortie. Pour l'instant, il n'y a pas l'économie en termes de carburant. Crackers qui nous fait le T3. Donc je pense qu'il va partir sur P4. Les alliés qui ont les deux munis sont en plus 58. Ouais, bon. C'est, ça fait plaisir. Victor qui a 325 de munitions. Mine, Victor. C'est vrai qu'il peut, peut se le permettre. Vous voyez, il y a des quelques mines à droite là qui se font déminer là par par les Sturms. Les Sturms. Ah, il en a mis à droite, hein. J'en vois une, deux. Ouais, il en a. Mais faut en mettre 50, il y en a 3 là. Ah, surtout qu'elle bah voilà, elle coûte pas si cher que ça, elles sont bien efficaces. Et elles marchent aussi bien pour l'infanterie que pour les véhicules. Ouais. Ouais, en russe, c'est quand même un gros avantage. Surtout que pour l'instant, il peut pas trop les utiliser, ces munes, vu qu'il n'a pas encore débloqué le mitraillage d'IL. Deux, ouais, qui arrive un peu plus tard. Ouais, qui arrive, ouais. 12 points de commandement. Victor qui a skip le T3 pour. Enfin, il n'a rien fait avec. Et il est directement allé sur le T4 pour nous sortir un T34. On le voit pas assez, je trouve, le T34-76. C'est dommage. Ouais, c'est. Ouais, c'est le grand frère du T70. Attention, les troupes de choc là au milieu, là. Ouais. Le P4 aïe, qui aïe, va aller les chercher. Aïe. Ou pas. Ouf, heureusement qu'ils sont concentrés sur autre chose. Le Zis qui a tourné, qui a mis un coup. Attention, les Parazuka. Ouais, les doubles Zuka qui ont touché. Ouais, cette map est bien ouverte en effet. Ouais. Vraiment pas idiot de foutre des mines sur tous les petits couloirs possibles de flanque. Ouais, c'est ça, bah, sur les routes, les petits trous là dans les murailles, là sur la droite, là surtout, là, c'est surtout là qu'il faut miner. Là, c'est toujours payé. Il y a eu un wipe là, j'ai. Sur une troupe qui est en train de back là. C'était les paras. Les paras sont fait wipe. Et les doubles snipes qui sont bêtes. Hein. Il avait ressorti un ground. Et finalement. T34 qui s'est pris une roquette là. Ah, double snipe, double Panzergrenadier Giver 43. Ça picote. Hein. Le Sherman en détonnant peut-être. Ou perfo. Qu'est-ce que c'est? Il a chargé les détours. T34 qui est mal en point là, qui fasse attention. Ouf! Il a fait mouche. Sherman aussi. Raketen qui touche. P2 là qui vient chercher je ne sais quoi. Troupe de choc qu'il avait peut-être vu. Ah,
Et un Fumi, Victor. Balance une grenade. Ah, le double snipe qui fait un ravage encore une fois. P4 de Crackers qui est tout réparé, tout neuf. Celui d'Hachi qui en attend. Hachi qui passe son bâtiment donc en réparation. P2 qui est gradé 3, hein. Mine de rien. Mmh. 17 kills. Ah, les alliés qui se retrouvent un peu acculés là. La grenade à droite là. Ouais. Flash couvert par la Maxime. On n'a pas le temps de coucher, c'est Storm. Attention, offensive sur les snipes là. Le Sherman qui prend un tir de pack. Il va devoir reculer. Les échelons qui reculent. Ouais, le lieutenant. Les sapeurs qui posent des mines là, qui se font défoncer. Le lieutenant là qui a spoté le snipe. Snipe qui va devoir back. Et Hachi qui en a profité pour flanquer. Ah, il a wipé quelque chose, je sais pas quoi. Je me demande si c'est pas les. L'équipage de véhicule qui a abandonné son utilitaire M1. Ah, possible. Enfin, ils sont encore en vie, hein. Je sais pas pourquoi ils ont back à la base, ils ont abandonné le véhicule. Je vois plus les troupes de choc, donc. Attention, le Su-85 là qui est pris à partie sur la gauche. Aïe, Victor qui a lancé. Ça pue. Ah non, c'est. Les papillons qui sont lancés là. Oh là là, il est mal en point. Je suis 85 mal en point là. Il reste le canon. Oh. T34 qui est tombé. Bon, ça avance tous les athées là côté allemand. Et Starco, ouais. Et Victor qui se sont rendus là-dessus. Eh ben, GG à Cracker, c'est Hachi, hein. Ouais, GG pour cette demi-finale, du coup. Ouais, la strat de l'acharnement de Sniper aura payé. Ouais. Why? Pourquoi? Pourquoi se demande petit teuteux? Ouais, 20 minutes, ouais, c'est sûr. C'est un peu moins de spectacle que prévu. Ouais, ça s'est effondré d'un coup là sur les attaques là. En termes de véhicules, qu'est-ce qu'ils avaient perdu? Ils avaient. Ouais, Starco qui avait pris cher. Victor, il a perdu son T34. Et son Su-85 sur cet assaut. Quand tu regardes les courbes, c'est pas trop déconnant, hein, mis à part Victor là qui a pris cher à la fin, là, mais ça doit être le SU-85. La chute à la fin. Autrement, les valeurs d'armée n'étaient pas trop déconnantes. Bon, après, il y avait pas mal d'athées en face. C'est sûr que pour débloquer la situation, c'était compliqué. Surtout qu'il y avait les Obersoldaten infrarouges là, qui font très très mal. Ah, putain, au niveau des stats, là, Starco qui a un ratio de 0,3. Donc ça, c'est les snipes en face, hein, qui tuent jusqu'à la lie. Hein. Ouais, bah oui, le pauvre, il a pas eu trop l'occasion de s'en débarrasser. Un peu au début. Il s'est débarrassé des deux premiers, là. On a cru que ça allait être punitif là, pour l'axe. Là. Ouais, il a insisté et il est revenu. Hein. Ouais, belle demi-finale en tout cas. Du coup, ça va nous opposer en finale. Cracker, c'est Hachi contre Pancho et Nubix. C'est ça. Belle affiche. Belle affiche de demi-finale. Je ne sais pas s'il y a des annonces sur le Discord de quand est-ce que cela va être joué. Tac. Bon, ça ne saurait être annoncé que rapidement.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Bon, ils sont en train de... Non, il n'y a pas de... J'ai cru qu'ils étaient en train de prendre rendez-vous là, mais je ne sais pas. Est-ce que dans le chat... Starco Live Cracker, ça fait 8 snipes. Ça fait 4. Ça fait beaucoup là, non? Bah tiens, on va aller les voir, je crois ils sont tous en vocal, là. On va interroger les joueurs de cette partie. Bah, Tu viens avec moi pourquoi dans pas? Crêpes Suzette? C'est parti. Charge. C'est Mais ça. vous aurez une chance de revenir. Bonsoir, vous êtes en live? Salut les gars. Waouh, trop bien. Ah non, Bonjour. perdant de 28. Ah oui, on a une chance encore. Oh putain, c'est pas fini ce tournoi. Tu es Ah mais contact non, là? c'est pas terminé. Ah mais, et moi je vais pas pouvoir finir ce soir, hein, c'est impossible pour moi. Quoi, demain tu Forfait, bosses hein, tout? écoute. Je Hachi, bosse fais demain. pas Ouais. chier. Hein. Mais Une c'est quoi, journée. Hachi? On va forfait. Comme ça, on restera Hein. presque invaincu, tu vois. Bon, bah, Con, du coup, les con. boss en finale. Non, mais en vrai, il faudrait la jouer maintenant, hein, contacter hein. Les d'autres J'ai dit positions. 10 minutes, laisse-moi le temps d'aller pisser. Et je me suis même pas lavé après le jardinage, gros. J'ai des plantes Oh. partout, plein les cheveux. Vas-y, hein. Vous faites la T'es finale tout trop de suite, là? sage. Il y a un pot de fleurs sur sa tête, là. Oh, il y a de la terre dans son clavier, là. Ah, il... Dans mes Qu'on les claviers, dé... dans mes narines, dans mes oreilles, dans mon trou de balle, même. Qu'on les Oh, vas-y, défonce, hein. c'est Dis-moi qu'on les tout. défonce, c'est rigolo là. Bon, alors, messieurs les streamers, hein, quoi de neuf? Vous en avez pensé quoi notre game magnifique, superbe? Ah, parce que ça a été streamé, en plus. Tout, Ah, bah les oui, trois games apparemment. ont Ah, été streamés. les Et là, trois. vous Les êtes trois. encore en direct là. Ah merde, mais Ah! non. Si, vous êtes en direct. Ah oh, merde. Alors, vos impressions? Wow. Starco, qu'est-ce que tu as pensé de ce quatrième sniper? Je pense que Cracker ça fait lui sniper et je pense que j'ai gagné un PTSD bonus après. Ce soir, je vais faire de beaux cauchemars. Il va rêver sniper, il va. Bon, Manger sniper. l'autre, celui que t'as fait quand t'étais Axe, t'en as fait deux toi? Non, j'en ai fait un seul parce que moi je joue clairement. Il joue réglo, tu Ouais, vois. Slatchy Voilà. m'a dit il y a deux snipes et tout, du coup je me mettais. J'avais chaud, tu vois. Ben non, je me suis dit je vais pas tomber dans le jeu du FN. J'ai pas dit qu'il y avait deux snipes, j'ai dit qu'il y a un deuxième snipe, parce que tu l'as tué le premier. Mais non! Moi j'avais qu'un seul de toute la game, hein, mais c'est pas grave, vas-y. Ouais, En tu plus, l'as tué, presque pas mec, alors. t'avais. T'as, tu l'as backé à un moment, t'étais en train de. Mais en gros, il devient visible dès qu'il lance la grenade? Ah, donc ouais, Kepa se déplacer. Parce que je me suis dit, il aurait dû repartir de la même façon qu'il est venu. Tranquillement. GG, à quelle heure vous faites la finale? Dans 10 minutes. C'est la petite.
Ah oui, c'est la petite finale, c'est le test humain, quoi. Le major Koenig, non, c'est pas. Enfin bref. Bah GG, hein. GG à tous. Ouais, bon la troisième, du coup, elle s'est effondrée d'un coup, là. On s'attendait à. Ouais, te pusher avec les deux M20, là. Enfin, non, il a. Et puis quand il y en a un qui était là, tu t'es dit. Le beau jeu, le beau geste. Voilà, bon, les personnes qui sont sur le live sont prévenues. Préparez-vous, hein, triple snipe incoming. Bref, il s'agit d'un stream Peggy 18, hein, on le rappelle. Bon, bah en tout cas, GG. Moi, je vais couper le stream sur cela. Je reviendrai peut-être plus tard. Ok, c'est. C'est noté. Bon, bah bonne pause bio avant votre petite finale et puis à plus sur le.